Salut à tous, c'est l'équipe Viva Sound pour du regard dans le rétro un peu particulier. Et donc, je suis entouré de Toren, Ralga et Yakipon. Bonsoir, messieurs. Salut. Coucou. On va parler de Pokémon. Pokémon qui fête ses 20 ans, donc une franchise qui a été créée par Satoshi Tajiri en 95-96. Donc, il y a 20 ans, en fait, l'événement des 20 ans en ce moment, vous entendez partout, vous entendez ça dans les médias, quoi. Et on a décidé avec l'équipe de faire une aventure ensemble, mais séparément. Donc vous connaissez les versions de Pokémon d'origine. Il y a la rouge, la bleue et la jaune qui est dans la console, qui est là. Ça, c'est pour les versions françaises. Il y a une version verte à l'origine qui est sortie au Japon, et on va en parler aussi. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces quatre versions-là? Et pourquoi est-ce que j'ai dit on fait ça ensemble, mais séparément? On va tourner en même temps les aventures en fait. Pour ma part, je m'occuperai de la version rouge. Toren, tu feras quelle version? La version verte. Vert Japon donc, Ralga. La version jaune, la meilleure de toutes. Et Yakipon. Bleu! Voilà, on va faire chacun notre aventure de notre côté, mais ça sera publié tout au long des semaines à venir en fait. Du coup, vous aurez 4 épisodes de Pokémon sur chaque version par semaine. Donc dès lundi, on attaque avec Yakipon sur la version bleue. Pour ma Bleu! part, je serai là le mardi sur de la version rouge. Ralga sera là le mercredi sur de la version jaune. Et Toren sera là le vendredi sur de la version verte Japon. C'est un petit défi qu'on va se lancer parce que, bon, mis à part vous présenter l'aventure, on s'est dit autant faire ça un peu plus fun et nous mettre un peu de challenge. On va pas faire ça en mode on va farmer tout Pokédex, on va farmer Mew ou Mewtwo, peu importe. Peut-être qu'on le fera, on verra, mais ça, c'est chacun qui verra de son côté. L'idée, c'est qu'on s'est mis un petit concours interne où on va essayer de rush la ligue Pokémon. Et le premier d'entre nous qui finira la ligue, eh ben, il marquera un point, j'en sais rien. Bref, il gagnera le défi, il gagnera peut-être un petit quelque chose, on verra. Il gagnera l'honneur d'avoir gagné. Ben, l'honneur d'être maître Pokémon, maître dresseur Pokémon. Bah, je sais très bien que ce sera pas moi déjà. Hein. Je te Je sais pas. rassure. Déjà, je me tape la verte qui est soi-disant dure. Et de deux, ça fait là longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Ben, on a tous nos avantages, nos handicaps, je pense. Pour Ouais, ma c'est part, je suis sûr. un farmer d'XP, j'aime bien prendre mon temps, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je démarre avec ce putain de Pikachu de merde. Oh, ça va, ça va. Pif jaune, je pense pas que c'est la plus difficile non plus. Enfin, je suis désolé, Pierre, il me fait un deuxième orifice là où je pense. Hein. Certes, attraper un roucoule. Alors, pour vous parler d'XP, vous vous doutez bien qu'on va passer du temps à XP, donc ces épisodes vont être coupés en... Voilà, par exemple, si on voit qu'on galère un moment, on va farmer de l'XP dans les hautes herbes, mais ça va pas être intéressant dans la vidéo. Donc, il se peut que ces moments d'XP où on perd 20, 30, 40 minutes à XP, on vous le montre pas dans les vidéos. Nous, l'idée, c'est de vous montrer tout ce qui est farm contre les dresseurs, les badges, l'histoire du jeu jusqu'à la ligue. Donc, on va faire ça au plus vite, même si je pense qu'on en a pour une bonne dizaine d'épisodes chacun au minima. Des épisodes qui peuvent aller de 20, 30, 40 minutes pour certains. On va essayer de pas aller au-delà parce que ça commence à être long, mais on va essayer de faire ça par étapes aussi. Voilà, on va parler juste rapidement des starters parce qu'on s'est imposé les starters aussi. Alors, ça correspond pas forcément aux couleurs choisies. Pas du tout, j'ai envie de C'est un peu exceptionnel, sauf Ralga qui n'a pas le choix de son starter. Bah, bizarrement, j'ai pris Pikachu. Voilà, pas trop le choix, hein, c'est comme ça. Toren, qui est sur la version verte Japon, choisit un Pokémon De type feu. coquin. Pokémon Feu, donc Salamèche. Yakipon, alors toi. Bulbizarre, c'est le meilleur, c'est tout. Version bleue, il y aura donc le Bulbizarre. Et pour ma part, donc sur la version rouge, j'aurai cette carapace de Carapuce. Et on verra bien ce que ça donne. Donc on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, là, qui arrive dès ce lundi, avec Yakipon sur Pokémon bleu. Mardi, pour ma part, Pokémon rouge. Mercredi, Pokémon jaune avec Ralga. Et vendredi, Pokémon vert Japon avec Toren. Alors, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Mais il y a quoi le jeudi? Ben, le jeudi, on change pas. Il y a les bras de fer de Hearthstone avec Trimano. C'est important de souligner pour vous dire, mais si on prend du repos. Non, non, on continue à bosser, mais c'est Trimano qui reste là jeudi sur Hearthstone. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, est-ce qu'un membre de l'équipe veut rajouter un truc sur l'aventure? Oh, bah, je pense que je vais dire que je vais gagner. Je vais être modeste. Oh non, oh non, oh non, oh non.
Je crois que le challenge commence. Moi, je me déclare pas gagnant. Non, mais toi... On va partir des fétistes. C'est pas drôle. Non, tu pars juste avec un malus. Nuance. En plus, je suis même pas sûr de la trad. Hein. Je suis même pas sûr de la trad. Ah oui, parce qu'en plus, c'est une version traduite, toi. Bah oui. Ouais, version traduite, juste un petit mot sur sa version traduite et pas en japonais parce que sinon il va galérer de toute façon. Donc je vous ai montré les cartouches là, donc on joue tous sur émulateur parce qu'on ne peut pas filmer directement depuis cet engin ou la Game Boy d'origine ou même depuis la 3DS ou New 3DS ou 2DS pour ceux qui l'ont, puisque Nintendo a décidé de ressortir sa vieille version sur le Nintendo eShop, mais c'est difficile de filmer directement depuis la console. Donc oui, on est sur l'émulateur Visual Boy, pour ceux qui connaissent. C'est très bien. Franchement, pour l'avoir testé, on n'a rien à redire. Et on va filmer nos aventures depuis ce machin. Mais les cartouches, hein, je vous les remontre, elles sont bien là. Pour ne pas dire qu'on hack le jeu. Non, non, on les a. Voilà, et donc je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. On vous donnera rendez-vous dès la semaine prochaine pour l'aventure. Et je vous conseille de suivre l'aventure parce qu'il y aura peut-être des surprises durant toutes nos quatre aventures. Voilà, à la semaine prochaine. Suivez-nous un peu partout. Les liens, comme d'hab, vous les connaissez. Ciao. Ciao. Ciao.